Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo, toujours à Washington, avec mon ami professionnel, conférencier professionnel, Guy Burkhardt. Ouais. Standing ovation. Merci d'être là en tout cas, merci. Aujourd'hui on veut partager avec vous ce qui nous a enrichi, ce qui nous a nourri ici à la convention des conférenciers professionnels à Washington DC. Mais avant, comme il fait très chaud, on cherchait une casquette, on n'a pas trouvé de casquette. Oui, parce que là ça tape. Ouais, ça tape fort. Alors j'ai décidé aujourd'hui exceptionnellement de faire quelque chose que personne n'a jamais encore osé faire. J'ai peur. Je vais faire un ice bouchon. Alors un ice bouchon et il va y avoir droit. Hein. Oh non, alors, pas un ice bouchon. Ah bon, d'accord. Je remplis le bouchon d'eau. En fait, c'est l'ice bucket, mais l'ice bucket mini. Voilà, et voilà, t'es bien arrosé là. Hein. Ça ressemble plus à un baptême qu'autre chose. Alors maintenant, je vais me faire aussi un... Alors un rien ice bouchon n'a été écrit, rien n'a été écrit, tout a été improvisé. Alors vas-y, c'est toi qui vas me le faire. Ben je... Allez, mais moi, ouh, j'ai déjà peur. Allez, parce que moi j'ai pas de cheveux. Voilà. Ah, okay. C'est terriblement froid. Il fait très chaud, il faut s'hydrater. Pour continuer dans la foulée, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, nous avons été nourris de grands professionnels, des professionnels du monde du sport, du monde de la télévision, du monde de la conférence tout simplement. On a eu affaire à des grandes stars américaines et internationales. Ouais. Vraiment, c'est enrichissant. Mais on n'a pas vu Schwarzenegger. On non, attendait Schwarzenegger, mais on l'a pas vu. On l'a pas quand vu. Tu parles de grandes stars, c'est... Non, non. Je suis balèze, quoi. Non des stars, non. Si, parce que ici aux États-Unis, tu sais que la NBA, oui, NBA c'est sacré, c'est grand, c'est le sport national, enfin ils ont le football, ils ont le baseball et ils ont le basketball. La NBA c'est un truc c'est énorme, mais hier il y avait un gars, il était tellement grand, il était noir dans le noir, j'ai pas fait attention. 1m98, regardez cette photo, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir lui parler personnellement. Regardez sur la photo, je suis là avec lui. Et moi je suis rentré dedans, j'ai pas fait attention, je crois que j'étais rentré dans le mur. C'était énorme. Et en fait cet homme, tu sais comment il s'appelle, tu t'en souviens? Non, pas du tout. Eh bien il s'appelle Walter Bond. Ah, et c'est justement de lui dont je voulais vous faire part. Il nous a dit hier: next year I will be bigger, stronger, better, faster, because I'm a professional. L'année prochaine je voudrais être plus grand, plus fort, meilleur, plus rapide, parce que je suis un professionnel. Et cette phrase, moi, en tout cas moi, elle m'a particulièrement touché, parce que c'est ça, chaque jour on essaye d'être meilleur que la veille. Et la raison pour laquelle nous sommes ici à Washington, nous avons investi en nous, nous avons investi pour nous, pour se faire former, pour être meilleur, non seulement dans nos professions, mais également dans ce que nous sommes chaque jour. Aujourd'hui, je suis un homme meilleur qu'hier. Oui, mais plus avec grand, tout ce que j'ai entendu. Plus alors, grand, ça va être difficile. Plus grand, je ne peux pas, j'essaye de sortir du cadre, mais j'y arrive pas. Alors pour toi, qu'est-ce que ça veut dire cette citation? Il a joué dans les Utah Jazz, il a joué chez les Pistons. Voilà, une grande personnalité ici aux États-Unis. Ça a été un honneur de pouvoir converser avec lui également. Toi, donc cette phrase, comment elle résonne en toi cette phrase? Pour moi, elle est très importante, puisque moi, je m'occupe surtout du service client, le service client pour booster les entreprises. Je dirais même booster les entreprises avec le service client. Donc si on est meilleur, si on est plus grand, si on est plus généreux, évidemment que si on a toutes ces qualités qu'on veut mettre en avant, on obtient évidemment des résultats qui sont encore plus performants, plus efficaces, plus rapides. Et dans ta vie personnelle à toi, moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi personnellement? Moi ça veut dire simplement, c'est une chose qui est très simple, plus grand et meilleur, ça veut dire que chaque jour il faut continuer à s'améliorer, à donner, à être à l'écoute des gens de manière à répondre à leurs attentes. Mais j'ai un petit peu cette déformation du service client où je suis toujours focalisé sur comment les entreprises peuvent doubler leur chiffre d'affaires grâce au service client. C'est plus fort que lui, il faut qu'il parle business. Hein. Non, je te parle de toi, toi perso, en tant qu'être humain, le Guy, mets-toi à poil. Alors, on te dit demain, être plus grand, plus rapide, meilleur, ça veut dire quoi pour toi personnellement, au plus profond de toi? Pour moi personnellement, ça veut dire simplement faire encore plus de vidéos avec Michel. Et on va aller bientôt à la prochaine vidéo, on va s'éclater. Je vous dis à plus tard, nous allons filmer une prochaine vidéo, donc chaque vidéo... Elle sera encore meilleure, plus grande, tu vas voir. On partage avec vous des phrases, des citations que nous avons puisées lors de cette convention. Ouais. Ça nous enrichit et on va partager ça avec vous. Et on les traduit, sinon il y en a qui vont pas comprendre. Sans sous-titres en plus. Parce qu'on peut les faire en belge aussi, si vous voulez. Regarde, on est venu en vélo, on ment pas, les vélos sont là, on est venu en vélo. On a les vélos, ouais. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, à très très vite, merci de nous suivre. Bye.